Il était surnommé l'aigle de Tolède. Federico Bahamontes, premier espagnol vainqueur du Tour de France, est décédé à l'âge de 95 ans. Grimpeur hors pair, il s'était imposé sur la Grande Boucle en 1959, après avoir remporté deux fois la Vuelta. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué une figure du cyclisme mondial. La Maison Royale a de son côté déploré la perte d'un héros et pionnier. Ses funérailles auront lieu mercredi après-midi à la cathédrale de Tolède.